Le vendredi avant Pâques, on doit être le 25, je crois, un truc comme ça. Et je baisse la caméra parce que sinon, mon chéri va faire un accident. Il va pas voir. Donc, on est en voiture avec le chéri. Et aujourd'hui, il travaille pas, donc c'est génial. Mais non, on va pas. Enfin, on va pas se la couler douce. Moi, je me fais conduire. Mais on a plein de choses à faire. Donc, je suis partie avec mon chéri. C'est pas des choses palpitantes. On va pas. Tu vas pas aller me faire une déclaration sur la place de Bayonne. Mais on va faire. Déjà là, on va régler quelque chose. On va dépenser des sous. Ensuite, on va. Il faut qu'il amène tout son dossier pour les permis qu'il a fait à Pau à la préfecture. Mais avant, il faut passer chez le photographe parce qu'il faut aller chez le photographe et pas au photomaton. Pourquoi, je ne sais pas, mais le chéri l'a dit. Et ensuite, il faut. Non, mais entre temps, il faut qu'on soit autre part, à l'autre bout, parce que. Oui, vous comprenez rien. Parce qu'il faut chercher des pièces de voiture qui étaient normalement que pour une voiture qu'on va vendre, mais qui est aussi. Il rigole. Il sent ma gueule. Parce que il y a aussi des pièces pour une voiture que je ne veux pas qui roule, parce qu'il fait n'importe quoi, il fait le kéké avec. Donc voilà, journée bien remplie, il fait moche dehors, mais vraiment, il fait pas très froid, il y a 9 degrés, mais il fait super moche. Donc je vous emmène un peu avec moi aujourd'hui, même si c'est pas très palpitant, mais vous m'avez demandé des vlogs, vous avez râlé parce que je fais pas assez de vlogs. Donc pour une fois que je sors de ma grotte, et ben je vous emmène avec moi. Bon, il y a eu un peu de changement, le photographe en fait là où on voulait aller, et ben on l'a pas trouvé, il y a plus de photographe. Donc là maintenant il faut qu'on cherche un photographe et je peux vous dire que c'est compliqué ici d'en trouver. Il n'y a plus que des photomatons. Sinon, ben, pour les pièces, voiture, c'est tombé à l'eau. La personne n'est pas là aujourd'hui, donc je ne sais pas trop comment mon chéri va faire. Et ce soir, voilà. Donc il a déjà tout. J'ai voulu. Mais non, ça n'a pas marché. Et j'ai fait une découverte puisque ce week-end, il y a Art en Vrac. Dans la ville à côté, donc en fait il y a plein d'artistes qui exposent ce qu'ils font et je suis tombée sur un, bon c'était pas encore ouvert mais voilà, j'y suis allée, j'ai demandé au culot s'il était d'accord pour éventuellement qu'on se revoie et qu'on discute pour bosser ensemble pour que j'ai des fonds sympas pour mes photos, les shootings, etc. Et il m'a dit que oui sans problème, j'ai été surprise parce que je pensais qu'il allait dire non mais il n'est pas contre du tout, loin de là. Donc voilà, donc ce week-end, je retournerai prendre sa carte de visite. Et voilà, donc là maintenant, on est à la recherche d'un photographe et après, on part sur Pau. Tu veux dire quelque chose? Non, tu veux pas. Non, je peux vous assurer, il y a un truc bizarre là. Je suis en train de manger ma clémentine. Et il y a un quartier où il y a un truc comme ça. J'ai l'impression, je sais pas, ce sont des viscères ou quoi, que là, qui va sortir. C'est un alien en fait, ma mandarine. C'est trop bizarre. Bon, apparemment mon chéri me disait que ça c'est des fèves. Dites-moi ce que vous en pensez si c'est ça en fait. Ou pas, c'est vraiment bizarre le truc. Trop bizarre. Ah c'est des haricots. En fait. C'est comme des haricots. Ouais sinon on est à l'arrêt. Voilà. On est à l'arrêt. Il veut pas être filmé. Mais pourquoi tu veux pas être filmé? Mais t'es beau mon chéri. tu veux pas que tout le monde te voit comme c'est bon. Il veut pas. Mais je vais vous faire sinon des prises de vue hein, quand on va aller sur Pau. Vous allez voir plein d'autres trucs super beaux en fait, de l'herbe, du bitume et des arbres. Sortir du resto, on a mangé à la bonne heure au quartier libre. C'est en fait une brasserie du groupe Casino et ça on l'a su une fois qu'on partait, quand on a vu le ticket de caisse. C'est mon chéri qui a vu ça. Et franchement, on a trop bien mangé. Si vous me suivez sur Instagram et sur
Snapchat, vous avez vu les plats. C'était entrée plus dessert à volonté et on s'est pété la pince, j'ai mal. Ça me tire en fait. Ça me tire. Oui, c'était entrée plat dessert pour 10 €. 10,99 € par personne. Et on a pris du jambon chaud, mais c'était tellement bon le morceau en fait. Celui qui m'a servi a cru juste que j'étais maman Shrek, quoi, parce que le morceau c'était pas possible. J'ai pas pu le terminer, mais j'ai quand même pris du dessert encore, forcément, ça c'est logique, mais ça me tire sur les côtés tellement que j'ai mangé, j'allais dire, tellement que j'ai faim, n'importe quoi, là j'ai plus faim du tout. Tu vois le truc? Ah ouais, on le voit vachement. C'est trop joli. Bonjour. Il est 3h moins le quart. Ça a été quand même assez rapide. Et en fait, d'ici 2 semaines, il faut que je revienne pour récupérer le permis de mon chéri. Il pouvait pas laisser tout de suite le sien. Donc il va falloir que je trouve le temps pour venir, mais surtout que je trouve où me garer, parce que ça coûte une blinde ici, les parcs-mètres. Donc voilà, donc d'ici 2 semaines, bah, je suis de nouveau là sur Pau, et maintenant on rentre et après on prend un bon café à la maison. Je viens de rentrer, il est 5h moins le quart. Alors mon chéri m'a déposé à la... Oui, désolé hein, pour les plans. Mon chéri m'a déposé à la maison et il va... Vous voyez plus rien. Je porte des trucs en fait. Et là je suis juste en train de rentrer, donc c'est pour ça que c'est un peu... Et il va chercher Enzo et puis là il part en fait chercher les pièces de voiture, donc voilà. Et quand je rentre, j'ai ma pépette. Elle est où ma pépette? Et bonjour ma chérie. Bonjour. Et oui maman, elle était partie. Elle était partie toute la journée, ma pauvre chérie. Oh là là, les câlins, doucement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un café. Je vais déjà bien me laver les mains parce que mine de rien, être dehors et puis toucher plein de trucs toute la journée, c'est pas top. Une fois que je me serai fait le café, je vais tourner ma vidéo pour mercredi prochain. Je vais la monter parce que je pense que là, maintenant, pendant bien 2h30, 3h, je vais être tranquille. Le temps que les hommes rentrent, ils ont 1 heure de route à aller, donc voilà. 6h moins 5, je reviens de loin parce que j'ai eu toute la peine du monde à faire du feu, je sais pas pourquoi, aucune idée. J'ai tout fait comme d'habitude, mais là j'avais beaucoup de mal. Bon, il a enfin pris, donc on aura chaud. J'ai tourné aussi la vidéo pour mercredi prochain, donc là je suis en train de l'importer. Donc autant dire que là c'est en train de ramer, mais quelque chose de bien. La vidéo fait 16 minutes pour le moment, donc plutôt contente parce qu'elle sera pas très longue. Et en ouvrant mes mails, j'ai eu une super surprise, puisque il y a quelques temps
J'ai eu, donc suite à l'émission C'est mon choix à laquelle j'ai participé, j'ai été contactée par Naturisme Magazine qui m'a proposé une interview. Et donc je devrais avoir le numéro qui devrait arriver par la poste d'ici quelques jours, mais ils ont été super gentils de m'envoyer déjà l'article en PDF. Et voilà, voilà, vous avez une exclue, puisque là je viens de l'imprimer, donc... Donc voilà, c'est quand même de la belle interview, je trouve. Et bon, les photos, bon, celle-là, voilà, hein, elle est moyenne, on va dire. La capture, voilà, hein, il aurait pu avoir une capture un peu mieux, mais bon, c'est pas grave, la première photo rattrape le tout. Donc ça fait bizarre de me voir là dans le magazine, je vous avouerai, c'est franchement bizarre, mais ça fait trop plaisir. Donc là concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais finaliser le look pour dimanche. C'est un look là par contre où il y aura des photos de moi, donc par rapport au shooting qu'on a fait il y a maintenant 3 semaines ou 1 mois déjà. Donc voilà, je vais vous présenter un look et ensuite je vais me mettre sur le montage de la vidéo pour mercredi pour avancer un max, puisque lundi c'est férié. Et une fois que mon chéri rentre ce soir, je me déconnecte totalement de internet, à moins que lui il ait quelque chose à faire sur à l'extérieur ou qu'il veuille bricoler. Et à ce moment là moi je bosserai aussi, mais sinon on va déconnecter. Voilà. Sinon j'ai sans... Il faut que je vous montre quand même, parce que Sanga elle joue avec un reste de jouet. Il y avait une balle accrochée à cette corde et en fait je sais pas si vous verrez, mais il y a un reste de corde là et elle arrête pas de le mâchonner. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors non, c'est pas moi qui aime mettre les tapis de travers, c'est juste Sanga. Elle prend son élan et quand elle arrive, et ben enfin voilà, elle me pousse tout, donc on voit que c'est plus droit du tout. Donc à force, ben j'en ai un peu marre de le remettre droit et puis je le laisse en fait, je laisse comme ça. Quand elle en aura marre de glisser dessus, peut-être que je le remettrai droit. Bon, je viens de finir mon article, enfin de préparer mon article pour dimanche. Je peux vous le montrer puisque de toute façon ce vlog sortira après et je suis trop contente des photos, elles sont juste sublimes. Enfin voilà, c'est pour moi ça a été super compliqué de choisir lesquelles allaient être dans l'article ou pas. Donc ça c'est ce dimanche, donc le jour de Pâques qui sort. Voilà, bah, j'espère qu'il vous plaira.